Europe 1. Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et Isabelle Quenin. Mais avant notre dossier du jour, Isabelle, c'est votre revue de presse et on commence avec la disparition d'un grand nom de la santé. Et ce grand nom, c'est Emlich, la manœuvre d'Emlich. On en a souvent parlé dans l'émission, le geste qui a permis de sauver des milliers de victimes de l'étouffement. Son inventeur, le docteur Henri Emlich, est décédé ce week-end à Cincinnati à l'âge de 86 ans d'une crise cardiaque. Alors pendant les fêtes de fin d'année, les repas de réveillon, si vous voyez quelqu'un faire une fausse route, vous savez, s'étouffer avec un bout de pain, un bout de bûche ou encore un grain de raisin, ne lui mettez pas la tête en bas, c'est ce qu'on faisait avant, Julie. Ne lui frappez pas non plus comme un sourd dans le dos. Souvenez-vous de Emlich et de son geste. Vous vous placez derrière la personne et vous provoquez l'expulsion de ce qui bloque sa respiration en exerçant une forte pression dans le creux de son estomac avec vos deux poings. Emlich, qui était en maison de retraite, a encore sauvé, ça c'est extraordinaire, il y a quelques semaines, la vie d'une pensionnaire. La pensionnaire s'appelle Patty. Elle s'étouffait avec un morceau de hamburger. Burger. Sauveur un jour, sauveur toujours. Gérald. Ah bah oui, c'était un docteur toujours. Et donc la méthode d'Emlich, il faut juste avant, c'est pour l'obstruction totale. Il n'y a plus de son, plus de lumière, vous ne toussez même pas. La personne porte ses mains à sa gorge, elle ne peut plus respirer. Avant de faire la méthode d'Emlich, on donne 5 grandes claques dans le dos entre les omoplates. Et après, on fait la méthode d'Emlich 5 fois. Si ça ne marche pas, on retourne sur les claques et on alterne. Évidemment, on appelle les secours. On va parler maintenant d'un temps que les moins de 500 000 ans ne peuvent pas connaître. S'agit-il, Isabelle ? À cette époque-là, Julie, ou presque, hein, les hommes avaient un os du pénis. Taisez-vous. Mais non, je ne vais pas me taire parce que c'est très intéressant. Un os qu'ils ont perdu au fil de l'évolution. Et la question, Julie, c'est pourquoi ? Les chercheurs ont voulu comprendre pourquoi les chimpanzés, les gorilles et les ours en ont toujours un, alors que les hommes, qui sont aussi des mammifères, n'en ont plus. Tout commence il y a 50 millions d'années. Certaines espèces voient leur os pénien diminuer alors qu'il s'allonge chez d'autres. Par exemple, les bonobos ont un os de 8 mm alors que chez les morses, il atteint 50 cm. Et les chercheurs d'avancer comme thèse que ce serait la monogamie qui serait la grande responsable de cette évolution. Ça va être encore de notre faute. Oui, l'os pénien qui permettait à l'homme de moins se fatiguer pendant des rapports sexuels, donc avec des multiples partenaires, cet os a moins d'intérêt dès lors que l'homme concentre toute son attention sur une seule personne. Il crapule moins et toujours avec la même, c'est moins fatigant, donc plus besoin d'os comme support structurel. Alors le bonobo, qui est quand même le champion de la frénésie sexuelle, a trouvé une solution, puisque lui il n'a que 8 mm, hein, a trouvé une solution pour séduire plus de partenaires sans se fatiguer. Chez lui, l'acte sexuel dure 15 secondes. C'est moche. Le pénis n'est pas un os et pourtant il y a des fractures du pénis. Ça existe. Ah, voilà. Ah mais vous voyez pénis. Tout aux urgences. C'est beau. Exactement. Comme métier. En Angleterre, un chirurgien diffuse une opération en direct sur les réseaux sociaux. Ça paraît inimaginable en France. Équipé de lunettes spectacle, c'est le nom de ces lunettes, un chirurgien britannique a filmé et diffusé en direct sur l'application Snapchat l'opération de la hernie qu'il était en train de réaliser. En fait, Julie, il faut voir, il avait ses lunettes sur le nez, des lunettes caméra, et donc il filmait tous ses gestes. Alors, initialement prévu pour ses étudiants, cette vidéo, qui est l'assemblage de petites séquences de 10 secondes, a été un succès international. Alors, âme sensible, s'abstenir. Le chirurgien est submergé de retours positifs et d'une seule question: quand va-t-il recommencer? C'est la preuve que le public est passionné à l'idée de savoir ce qui se passe derrière les portes du bloc opératoire. Des comptes et des chaînes similaires se sont créés dans la foulée. Une liposuction filmée. Oh là là, c'est glauque. Oui, filmée et diffusée en direct sur Facebook a été suivie par plus d'un million d'internautes. De voyeurs. Vous dites d'internautes, moi je dis de voyeurs. Attends, il faut vraiment avoir envie de regarder une liposuction. C'est la vraie question, la limite entre voyeurisme et pédagogie. Quand même. En plus, je ne suis pas sûr, quand on va subir une intervention chirurgicale, qu'on a envie de voir la technique de la liposuction, parce que c'est quand même avec un aspirateur et ça aspire de la graisse, c'est pas très sympa à voir. On a peut-être pas envie de faire de la télé. Exactement. Enfin, je pense qu'ils nous ont prévenus quand même. C'est un vrai problème sur les droits des patients. Il faut respecter l'anonymat bien sûr et respecter les droits des patients, surtout avec ces vidéos. Oh bah, ils sont d'accord si c'est diffusé, j'imagine. Le patient est d'accord. Enfin, en même temps, ils dorment. Hein.